Cri-cri pour les intimes, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des lunettes, mais c'est pour vous annoncer un défi jeu concept qui va durer 30 jours. Ce défi, pourquoi j'ai fait ça? Ça dure pas 5 jours, mais ça dure 30 jours. Donc ce défi est lancé par la page IGAGE, In-Game avec Jésus, et il débute le 1er octobre. Ce défi s'oriente autour de deux concepts, Play and Pray. Donc deux concepts, le premier play, tu vas devoir t'engager à jouer à un ou plusieurs jeux vidéo de ton choix pendant ces 30 jours. Le deuxième, plus engageant, je pense qu'il en est de ta responsabilité de le faire, tu choisis ou pas de le faire, il s'agit de pray, prier pendant ton 30 jours, pardon, tu veux devoir prier pour une ou plusieurs personnes de ton entourage qui est soit geek, soit otaku, soit nerd, soit gamer. Je répète ça pour les personnes qui n'ont pas d'habitude d'entendre ce genre de terme. Tu vas devoir prier pour une personne de ton entourage ou plusieurs personnes de ton entourage qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent des animes, qui lit des mangas, ce genre de choses-là. Ok ? Donc ces deux concepts-là, très importants pendant 30 jours. Pendant que tu auras mené ces actions, tu devras mener 3 autres actions supplémentaires, je t'en demande beaucoup, hein. La première action, partager cette vidéo pour que le message se répande, le concept se répande. Deuxième action, liker, aimer la page In-Game avec Jésus, IGAGE. Tu auras le lien dans la vidéo, dans la description. Troisième action, plutôt engageante, se prendre en photo. Comme je vais le faire, vous pourrez le voir dans la page In-Game avec Jésus, avec le hashtag Play and Pray. Tu te partageras une photo de toi où tu auras une pancarte, une image dans laquelle tu t'engageras à prier pour des personnes. Moi, je l'ai fait, je ne sais pas si vous arriverez à voir. C'est écrit, je prie pour Naïmé, Sarah, Benji et Rémi avec le hashtag Play and Pray. Donc, après avoir mené ces actions-là, tu seras tiré au sort. Et si tu es tiré au sort et que tu es gagnant, il y aura un gagnant seulement, mais c'est déjà pas mal. Tu pourras gagner un truc de ton choix. Un truc de ton choix parce que on est gentil chez nous. Donc le truc de ton choix, le cadeau de ton choix, ce sera une carte Steam 50 prépayée ou une carte Xbox Live de 3 mois. Je pense que c'est pas mal, que ça pourrait t'inciter à jouer à ce jeu, participer à ce défi. N'hésite pas à partager cette idée, ce concept autour de toi. Voilà, c'était tout pour moi. C'était une vidéo one shot, donc désolé pour les bugs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée sous les regards du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. In-game.